Les amis, jour numéro 3, au chalet, la villa, le chalet dans la montagne. Regardez, tout le monde là ici, on va faire une petite réunion avec Omar, l'équipe, etc. pour voir qui fait des TikTok et tout ça, machin. Hello guys, coucou, c'est Choco, coucou les Choco Pops, coucou la TV. Ça, c'est vraiment une dinguerie qu'à chaque fois que tu vois mes abonnés, tu... Bah c'est toi, tu les considères comme ça, même mais n'importe caméra, quoi. Hors caméra, il dit que la TV c'est une... N'importe quoi, ça c'est vraiment un cliché de fille, petit cas, petit thé, comme ça là, c'est vraiment... Mais les gars, hier au ski, ça m'a abattu, j'ai super mal à la gorge. Eh, cette nuit, je dormais, j'étais en train de baver. Je suis abattu, les mollets, ils sont serrés, t'es mal à la tête des mollets. Pourquoi tu filmes mes pieds? Wesh. 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 Il va y avoir des TikTok bizarres après. Là, tu vas faire quoi là? Là, moi, je vais aller au cinéma, au home cinéma. Ouais, dans ce sol, ouais. Mais ouais. Non. J'ai aussi. Non, tu viens pas. Non, mais au secours. Imagine, là, je tombe. La tasse se casse. T'es moi, je suis grave comme mais ça. Mais c'est carré, jour numéro 3. Choco se fracasse la nuque. Ça fait au moins un M de vue. Toujours les vues. Eh, aujourd'hui, les guys. Je vais faire une vidéo où je dis oui à tout le monde. Ça veut dire que bon, là je chill et tout, mais après quand je serai réveillée et tout, bam, je dis oui à tout le monde. J'espère que tu vas pas trop en profiter parce que t'es bien sûr. Non. Ah, franchement non. Non, vous inquiétez pas, on va trop en profiter. Tu vas faire le ménage, tu vas faire à manger. Oh, mais il y a pas besoin de faire le ménage, tout est propre. Il y a besoin de faire la cuisine parce qu'on est bloqué, tu leur as pas dit. La table là-bas, elle est pas propre. Les gars, on est bloqué. En gros, dehors, il fait extrêmement froid. Regardez, il y a plein la neige qui tombe. Et vu qu'on. Genre les voitures qu'on est venu avec, elles ont pas genre de. Ah, tu parles du Golf GTI 245 chevaux excuse avec nous, un covering. Excuse-nous. Et tu parles du Classe V. Mais les gars, on est dans la merde parce qu'en fait, on est dans un bête de chalet, sauf qu'il fait. Grave moche dehors. Mais c'est génial! On devait faire du snowboard et tout. Mais on est bloqué. Mais c'est trop bien! Mais non, mais en fait là, mais j'ai quand faim. On va s'amuser. J'ai faim! Bah, tu manges des gâteaux. Bon, allez, moi je vais au cinéma. Ciao! Allez, à tout de suite. J'arrive. Non. Mais qu'est-ce que. Wesh! T'es en train de me. Mais t'es en train de me suivre, toi, mais on va juste au même endroit. Bah, oui, mais non. Tu. Mais n'importe quoi, on va juste au même endroit. Je sais pas ce qu'elle raconte, les gars. Parano, celle-là. Il est vraiment très bizarre. Pour le coup, il est vraiment très, très bizarre. Wesh, ouais, j'espionne Choco pendant 24 heures ou... Ah. Imagine, y'a vraiment une personne qui fait ça, genre, caméra à la main. Y'a vraiment une personne qui fait ça actuellement. Et c'est moi. Ouais, ferme la clé. On va s'enfermer à clé, ouais. Ouais, mais ouais. Dans le cinéma. Mais qu'est-ce qu'il veut? Attends, j'enfile mes chaussures. J'arrive, je mets mes chaussures. Interdiction de manger ou de boire. C'est le ramadan à l'intérieur. Ah mince, mais du coup là. T'as pas le droit. Tu vois pas qu'il y a un grand panneau derrière toi? Bah je laisse ça là. Voilà. Boud, ouais, boud. Bah. Oh, tu m'as pressionné si tu veux. Ah pardon, désolé. Tu me dégoûtes. Mais c'est stylé. Non, Omar, je crois, il a dormi ici. Omar, il a dormi là. Mais c'est stylé de fou aussi. Eh mais genre, t'as un home cinéma. Non, mais en vrai, la play. J'ai jamais été aussi heureuse d'être bloquée dans un endroit. Genre. Bah oui, mais t'es j'ai malade, jamais c'est trop été bien. Aussi heureuse de toute ma vie. C'est halal, les gars. Si jamais quelqu'un veut nous bloquer dans une villa à Marseille, dans le sud ou quoi, y'a pas de soucis, nous est disponible quoi. Hassoul. Hassoul, tu me saoules. Bon, vas-y. On fait le TikTok. Vas-y. Les gars, il veut faire un TikTok. En gros, les gars, ça va être quoi le TikTok? Ça va être Choco, elle va être dans le home cinéma. Et moi, je vais venir lui faire peur. Et elle va courir dans toute la villa. Mais tu sais que, non, mais le chalet, il fait 4 mètres. Il fait 4 mètres. Je vais me casser la gueule à un moment donné. Tu sais mais que c'est trop drôle. Une voiture de fou. De mais ça va, être, ça, ça va être drôle. Vas-y, je suis chaud. Je pose la caméra ici, les gars. Donc vous allez juste voir le début. Et la suite, faudra aller voir sur TikTok. Au pire, le monteur, il intégrera le TikTok. Pas voilà. Mal. Oh là là là. Mais pourquoi tu es bête comme ça là? Et eh donc fais ça un matin, vous êtes tranquille, tu fais ta vie. Comment on fait pour mettre. Un truc sur l'écran? Ah ouais, genre. Ah, attends, on va allumer le play. En fait, tu fais juste un tu joues. Ouais, c'est ça. Mais j'ai bien. Ça passe, c'est bon. Les gars, je fais un petit TikTok, faites comme si j'étais pas là. Dans l'escalier en vif. Et je fais quoi? Tu te mets genre là-bas. Derrière l'escalier, genre carrément. Ça fait être trop drôle. Le TikTok il est trop bien. Ouais, le magnifique. Regardez, petit TikTok.
Par contre, on voit carrément Tobias derrière en train de dire Ouais, je disais que ça. Ça le trolleur, quoi. Allez, viens. Allez, TikTok. Fais ça, tu joues à la play et après, t'inquiète, c'est une impro. Vas-y. Mais je vais me casser la gueule, il y a tellement. Les écoles sont tellement longs. Non, fais attention. Bah oui, mais c'est ça. Eh, les gars, c'est sûr que je vais me casser la gueule, non? Attends. En plus, c'est Fortnite. Let's go. Mais même, tu peux interagir avec les gens des habitants. Ah, mais t'es là. Je te chier partout, petit pépus. Ouais, ça te dit qu'on allait faire un tour. Ouais, ah non, t'es bizarre. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, laisse-moi tranquille. Vas-y, bouge. Laisse-moi. On a fait TikTok, les gars, il est magnifique. Mais maléfique. Banger. On te voit pas, Billy. Ah, oui, pardon, je suis en ouf, merde. Vous voyez pas? Ouais. Et là, maintenant, tu veux faire un autre TikTok pour toi? Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un TikTok ensemble. TikTok drôle. Moi, j'aurais dit une autre partie comme ça. Ah oui? Mais un autre délire. Mais ça fait un peu trop si tu l'as fait. Ça fait un peu trop. Peut-être si on fait genre un TikTok, je sais pas, drôle, humour. Comment tu tiens ta caméra, Tobias? Pardon? T'es streamer ou t'es youtubeur maintenant? Bah, je suis streamer. Non, t'es youtubeur, on a dit, Tobias. Non, je suis pas youtubeur, les gars. Ah, non, si. Moi, à la base, je suis un humain comme qu'elle est tout le monde. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? Un TikTok humour. En mode. Ah bah, des blagues nulles. Des blagues de merde. Des blagues nulles, comment ça? Tu peux faire des blagues de merde comme d'habitude. Les gars, je lance la caméra en urgence. Y'a des invités surprises. T'inquiète, tu vas te baigner. Mais non, Michou Crou, t'es Baba Cam. Mais non. Aïe aïe aïe. Mais non. Aïe aïe aïe. Chez les gars, on va aller voir Baba Cam. Mais dis-le boss. Bra, bra, bra. Moi. Vous êtes tous levés comme ça là, de bon matin? Comme si, c'est pas le matin, comme ça fait Jaja. Longtemps on est réveillé, mon ref. Même pas, frère, t'enchaînes. Aïe 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 aïe. Ça dit quoi? Ça va quoi? En commu. Tu sens bon, machin là. C'est normal, on était à Dals hier. Allez, niquer la terre à tout le monde. Ils faisaient tout, frère. Oh, d'accord. Ça va quoi? Ça dit quoi, Michou? J'ai un projet, je peux pas me permettre d'être là tous les jours. Tranquille ou quoi? Ça dit quoi? Bien. Félicitations pour hier. Si, mère, hein. Ici t'as le vlog et là elle fait une vidéo. Enfin non, je sais quoi, je dis oui à tout pendant 24 heures. Tu fais un documentaire. Ça c'est exceptionnel. Là tu peux te régaler, frérot. T'as faim un peu, tu t'as besoin d'un truc non, ou quoi, non, tu lui demandes. Tu dis oui à tout. Eh, tu dis oui à tout, mais donc t'es amoureuse de Tobias? Ouais, mon gars. Oui. Ah, j'ai le gars. Oh. Mais non. Ça va, Pokémon. Ça va, yo. Tu Tobias? Ouais. Ça va, nickel. Moi, je pense que tu es la bonne personne pour leur faire visiter ce chalet. Tranquille. Je leur fais visiter le chalet? C'était bien. Moi, je pense que tu es la bonne personne pour le faire. Ouais, c'est un petit chalet. C'est un petit chalet. Je te fais visiter le chalet? Eh, frérot, là, il y a une pièce que j'ai envie de visiter avant tout. C'est les chiottes. Ça? Attends. À l'altitude. Elles sont juste là, frérot. Il y a un bail dans mon ventre, là. Tu veux que je te montre ma chambre? Non, mais. Elle est juste là. Tu veux que je chie dans ta chambre? Elle est juste là. Viens, je te montre ma chambre. Mais elle est bizarre l'interaction, je veux voir les toilettes, viens, tu montres ça. Je te ramène dans ma chambre. Oh, ah ouais, c'est de la frappe. Oh, là je dors ici. Jure, tu dors là? Ouais. Mais frérot, c'est le meilleur bail. Bah oui. T'as ramené une meuf ou pas? Non, quand même pas. Là, tu dors là. Il y a la play et tout, hein. On a regardé hier Danse avec les stars. On a regardé. Ouais. Non. 400 000 viewers, c'est pas ouf. Hein. C'est, franchement. C'est pas. Tu trouves? Moi, je suis content. Non, mais c'est une dinguerie, hein. Félicitations. Non, mec, c'est incroyable. Eh, oui, c'est incroyable. On voyait les stats monter. Même pas que les stats, non, juste le gros. En fait, le moi, je suis choqué. Déjà du délire, les gens qui ont bossé sur le projet, tout le monde s'est régalé. Et les retours des gens sur le chat. Ah mais laisse tomber. Parce que tu connais le chat Twitch, ça va trop vite. Ouais. Si à un moment ça parle un peu trop, on dort, on se fait chier, ça va trop vite. Là les gens, de ça A à Z, j'ai vu. De A à Z, c'était waouh, trop bien, ils étaient en fait, investis fait, dans les danses. Ça fait des surprises sur surprises. Ouais, non je suis content. Non, masterclass, content. On va te laisser et là, chier frérot. Mec, j'ai une pression pour... Ouais, faut que j'aille chier. Mais tu sais que j'ai une pression de fou pour le prochain live. Parce que du coup... Bah je suis attendu là. Bah ouais. Là les gens en fait ils ont vu comment ça s'est passé et ils sont en mode bah le deuxième live faut que ce soit pareil. Mais frère, sauf que ils auront moins la surprise. Donc faut que ce soit mieux en vrai. Ouais. Il sera mieux. Mais y a Karchak. Ouais mec, ça va être fou hein. Je sais pas comment ça va rendre là, Karchak aux entraînements. Partout mon TikTok il est rempli que de ça. Ouais mec, Karchak il va danser frérot. Il va danser sur le plateau, il va se faire juger par Chris Marquez et Favoto Lunaire. Non, ça va être bien. L'argent de la famille. Ah mais ça c'est du grand n'importe quoi. Ramener Karchak pour le faire danser. Non mais frérot c'est exceptionnel. Ah oui c'est exceptionnel. Mais c'est ça qui est fou. Ah mais c'est ça qui est fou. C'est vrai que rien que pour ça tu vois la semaine prochaine ça va être bien.
Parce qu'en vrai, il y a un nouveau qui arrive. Du coup, tu découvres encore une nouvelle. Là, c'est qui? C'était Nico qui était éliminé. Style et tout. C'est Nico et le bouffe. Mec, je suis trop triste. Putain, Nico avec son logo bi. Les deux, ils étaient là pour le divertissement, les deux. Ouais. C'était full divertissement. Mais ouais, c'était compliqué. Les gens sont un peu tristes et tout. Mais t'inquiète. Moi, je me galoche comme ça là. Papa, regarde ma chambre. J'aime trop tes bisous, papa. J'aime trop. Ils sont moelleux. Tu viens d'y aller. Oh. Elle t'a fait caca, voilà. Eh, hey, t'es vraiment. Père, et toi, tu le repousses pas, wesh. Oh, non, papa, wesh. Moi, j'étais en plein kiff, moi. Mais j'étais en plein kiff. Ça, c'est. Ça, c'est, wow, mais c'est exceptionnel. Ah, ouais, j'avoue. Eh, vous ont mis. Ils vous a éclaté, hein. Mais t'es fou, vous êtes. Eh, je crois même. Eh, Miguel. Premier voyage des Crotons, n'avait pas ça, quand même, hein. Bah, la Villa Crissy, voilà, qu'est-ce qu'on va faire après? Vous allez faire quoi? Vous envoyez à la NASA? Je sais pas ce qu'on peut faire de mieux. Voilà. Faut revenir. Tu sais que t'as pris des couleurs, bâtard, hein. Non, si, le ski, frère, t'es chaud. Ah, bah ouais, t'as vu la dinguerie ici, là? C'est le meilleur. Ça, c'est dinguerie, ça. Ça, mais cette pièce-là, elle est exceptionnelle. Mais je sais toujours pas où sont les chiottes, maman. Oh, putain, elles sont là-bas, les chiottes. Elles sont là. Ah, non, non, c'est pas là, Michou. Si, c'est bien là. Non, c'est pas là, viens. Vite, t'inquiète, viens. Viens, t'inquiète, viens. Oh, les setups de stream et tout. Non, t'inquiète. C'est ça? Viens, sont là. Mais non, ils sont cachés dans le plat. Et ouais, en fait, c'est juste ici et là, maintenant, on est plus que tous les deux. Tous les trois? Oui. Tu fais quoi? Ah, fais quoi là? Avec toi. Ah, moi, je suis pas au courant. Ok, Choco, tu dois rester 10 minutes ici, d'accord? Non, s'il te plaît, non, maintenant, je te supplie, s'il te plaît. 10 minutes. Pourquoi tu l'as puni comme ça? Puni. Masterclass? Au coin, au cachot. J'ai pas de téléphone, s'il te plaît. Après, maintenant. Non, 10 minutes, c'est bien. Oui. En plus, on vient d'arriver, tu sais, il y a tout le monde qui est dans l'extase de « Waouh, on est là, il y a des nouveaux dans la villa !» Allez, ciao. Ça va, 10 minutes, bon, ça passe vite. Il y a un siège bébé, il y a un truc, tu peux manger des chips, amuse-toi bien. Elle est punie. Vas-y, viens Michou, je vais vlogger ta chiasse, viens. Non, je rigole. Ah, tu veux vlogger ma chiasse? Bah, pas de soucis, hein. Si tu veux, je mets la cam à mes pieds, tu sais, comme ça, on voit genre mon caleçon. On voit juste mon caleçon à mes pieds, et on entend « Mais t'es fou, chaud. Tiens. Et bah allez. Non, je rigole. C'est où les chiottes? C'est juste là. Non mais j'ai vu déjà, t'es en retard. Mais ça schlague ici. Arrête. Ah, peut-être y'a quelqu'un qui a détruit au préalable. Mais je crois que c'est Choco. Ah ouais? Tu sais que Choco, pendant... Bah, vraiment, elle m'a dit 5 fois. Non, va pas à l'étage, s'il te plaît, faut pas que t'ailles à l'étage. Ah non, l'étage, c'est abusé. Mais hey, les gars, c'est trop bien. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Là, ça fait 3 jours, 2 jours. 2 jours? Ouais, 2 jours. Vous kiffez là? C'est un petit week-end. Ah, mais t'es fou, c'est une dinguerie. On part demain, après-demain. Ouais, on part demain. Oh, vous devez être trop deg. Ouais, j'avoue. En fait, on a même pas le temps de tout profiter. Tu sais, tu fais... C'est trop grand. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mec, il y a home cinéma. Les chambres, elles ont l'air magnifiques. Et les shots... Ah non, ça, c'est une dinguerie, ce qui s'est passé là. Arrête. C'est une dinguerie, ce qui s'est passé là. Bah, y'a rien. Non, arrête. Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est pas ce que tu crois. Non. Non, c'est du arrête. C'est vraiment ce que tu crois. C'est vraiment ce que tu crois. Non, je te jure, c'est du Nutella. Oh, ça me dégoûte. Enferme-le, ouais. Qui reste là tranquille. Il a séquestré. Ah, va faire, je vais en bas, moi. Ouais, non, va en bas. Non, mais jure, c'est du Nutella ou pas? En fait, on a fait un petit prank, genre, non, comme elle dit oui à tout. Dégoûte. Comme elle dit oui à tout, on a mis du Nutella pour qu'elle nettoie. C'est un petit prank, genre. Ah. Non, t'es fou. Okay. Non, si on chie, ça fait plus de bruit. Hein, mais tu sais que ça m'a dégoûté pour de vrai. Ça c'est pas que ça pouille ou quoi, mais c'est que... Non, mais c'est que j'avais l'impression que c'était vraiment de la merde, donc j'étais en. Quand tu vois de la merde, j'ai ça fait. T'as eu des remontées acides là? Malade, elle. Elle est tarée celle-là. Non mais c'est bon, ça y est, sort. Mais c'est celle que tu m'as appelé. C'est celle que tu m'as appelé. Vas-y, bonne chasse. Si merde. Pour le moins con. Essayez de passer des messages quand même les enfants. Roulade dans vos contenus, hein. Comme d'hab, hein. On sait. J'ai fait bon voyage ou quoi? Frère, j'ai le démon, frère. Normalement, j'avais mon arrivée, tout. On en retire, c'est quoi l'arrivée normalement?
Non, mais peut-être quoi, avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Il y a assez d'essence pour aller jusqu'à Paname. Pas qu'il m'énerve. Pas m'énerver. Mais attends, vous dis pas les gars, parce que ça se trouve. Parce que ouais. Alors, restez bien jusque dans la vidéo. J'aime bien respecter le bail, mais je voulais faire une arrivée spéciale. Voilà, voilà. On est en montagne. Je t'en dis, il est en train de déchirer les toilettes. Ah ouais. Mais tu sais qu'il a la. Oh. Vous savez que Michou, il a la gastro. Ah, la honte. Qui lui a serré la main, qui lui a fait la bise. Mais je lui ai fait un grand check, wesh. Un grand câlin, wesh. Oui. Ouais. Vous avez tous pris des couleurs. Ça. Et qu'est-ce que et toi, tu vas faire quoi? Pourquoi t'es dans le silence comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, mon frère? Et vous restez jusqu'à quelle heure? Là, on a le train à 17h, je crois. Allez, viens là, viens là. Viens là, viens là. Oui, bah oui. Viens là. Je crois que t'es oublié, moi. Non, non, j'ai pas oublié. C'est la quoi? C'est laquelle? C'est la spéciale ménage. Attendez quoi? Nettoyez. Attends. La passez l'aspirateur. Ouais, attends. Fais-moi un zoom. Donc, allez, zoomez, vous. Ah ouais, le zouk, c'est le zoom. Ok, bon. Zoom là, c'est le seul médicament. C'est quoi, ça? Remplir. Aïe. Et lui, il l'a ce bâtard. Voilà, il l'a. Remplir et vider la machine à laver. Ah bah ça tombe bien, il y a personne qui a à laver les choses. Mais je te jure, il y a plein de vaisselle. Mais voilà qu'il y a plein de vaisselle. Ouais, le lavabo. Ah. Là on a fait de la rouge aussi. On a fait de la rouge. Ah ouais. C'est kiffant. Ouais, c'est kiffant. Ouais. Mais je suis trop fort. Ah ok. Nous trois on faisait que de bombarder. Qu'est-ce que c'est trop fort toi? Mais quoi, vous êtes fous? Mais voilà, là on y va maintenant, je suis trop fort. Donc on va repartir au ski. Aussi je kiffe le ski, hein. Franchement, si j'aurais pu, franchement, voilà, j'aurais ski. Moi j'adore le ski. Tu sais skier, Phil? Mais je suis tombé amoureux du ski là cet hiver. Parce que moi j'avais skié qu'un jour dans ma vie, un seul jour. Ok. Et du coup j'avais pas eu le temps de vraiment kiffer. Et cet hiver je suis allé skier, j'ai skié. C'était ta première fois? Ouais. Là j'ai skié 3 jours cet hiver. Et j'ai eu le temps d'apprendre et j'ai fait des bonnes pistes. Ouais, en 3 jours tu peux. Mec, je me suis lancé sur une piste rouge au bout du 2e jour. J'avais toujours pas skié. Il y avait une piste. Dangereux, hein, mon niveau de ski exigé, je me suis dit vas-y. 3e jour. Nique sa mère, j'y vais. Ah ouais, t'es suicidaire. Rassoul, t'as pas d'Alci à gérer ou quoi? Voilà. Et frérot, bah ça s'est bien passé. Alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. Ça va, si on fait des vidéos tous les jours. Non, mais ça va. Bah, c'était pas pour toi. Ouais. Pour toi, peut-être, mais pour nous. N'importe quoi, après tu m'as montré la dernière fois ces AdSense, c'est une dinguerie. Choco. Plus à nous, Choco. Bon. Omar, lui, ski, frère. Michou, t'es pas le très bon placé pour parler. Ah, mais c'est sûr. Mais toi non plus. Mais 15 000 euros, j'avais la nuit. 15 000 euros la nuit. Non, c'est pas la nuit, c'est la semaine. Ah, non, mais c'est 15 000 euros la nuit, non. Bah, c'est rien la nuit, 15 000 euros. Moi, je dis ça dans ma vidéo. 15 000 euros la nuit. Ah, ouais, tu gères. Mais c'est impossible. Il a géré. 15 000 euros la nuit. Non, ouais, c'est ça. Ça, j'étais fatigué. Non mais dans ce cas-là, les gars, dormez toute la journée alors. Ah bon, oui. Profiter des chats, genre des activités à faire et tout. La piscine, le hammam, le sauna. C'est kiffant. Dommage, vraiment. T'es à Dalcy quoi. Dommage quoi, t'es pas là quoi. On aurait bien kiffé t'amener des. T'as pas de mentir, Dalcy, je passe la meilleure semaine de ma vie en vrai. Ouais, j'avoue que t'as kiffé. Je peux venir au ski ici, je peux revenir si tu veux. Je peux venir à l'épisode 2 dans 3 mois. Ou quoi? Ah, justement, encore mieux. Comment ça, mourir parce qu'on est des Arabes? Il a tout routine. C'est quand l'épisode 2? C'est samedi? C'est samedi, ouais. Je pourrais venir dans le public? Ah ben vous serez là du coup. Arrête. Ça? Bien sûr. Ah, là faut dire mal. De toute façon, je peux pas dire non, les gars, il y a une caméra. Danse de mariage tous les deux, carrément. T'as raison. La demande, je l'ai fait. Tu sais que j'ai fait une feinte de demande. J'ai vu. T'as vraiment un bâtard. Tu prends tes chaussures. Hein? T'as dit quoi? C'était mes premières chaussures. Ouais, c'est mes chaussures. Mais tu sais, c'est quoi la dinguerie? C'est qu'en vrai, Elsa, je l'avais mis au courant parce que je me suis dit. Ah, ok. Je peux pas faire ça, t'as vu? Non, c'est trop encore. Donc je la mets au courant. Par contre, il y avait ma mère et la mère d'Elsa dans le public. Ils étaient pas au courant. Ils étaient pas au courant. Oh, c'est dinguerie. Du coup, ma mère. Genre, mes frères, ils étaient à côté de ma mère, ils ont dit non, mais maman, elle était prête là, elle avait les larmes aux yeux. Oh non. Mec, quand je suis retourné la voir après, je me sentais pas bien. T'es obligé de finir ta vie avec elle, du coup là. Hein? Là, t'es obligé de finir ta vie avec elle. Toujours méchante. Parce que ta mère, elle avait les larmes aux yeux, tu peux pas. Je t'ai mis dans un piège tout seul. Voilà, mais quelle idée d'être là. Moi, j'ai kiffé la ref avec Doumbé. Il y a beaucoup de gens qui ont compris. Ouais, c'est de le bouseux là. Ouais. C'était ça la fin, oui, c'était c'est le bouseux, le face à face. Ouais. Même moi j'avais fait une vanne. Domingo est dans ses pieds nus, j'avais fait la vanne aussi. Ah, j'avais pas capté ça. Après, j'ai pas regardé tout le monde entier, j'avoue. On était un peu occupés dans le chalet quoi, à faire un peu de ski, etc. Mais tranquille. Ouais, je comprends. Pourquoi ils ont tous pas de problème.
Ouais, ils sont tous partis. Non, mais semaine pro, venez, hein, samedi. Ouais, samedi. Samedi. Ok. J'espère que j'aurai l'une des meilleures places, quoi. De toute façon, tu peux pas dire non, toi. C'est la semaine pro, allez. Hop. Ah oui, bah oui. Bah, parce que je dois dire oui à tout pendant 20 minutes. Ah bah oui, c'est vrai. Mais c'est même pas ma vidéo, mais oui, je viendrai. Oh purée. C'est Mélanie. Ça va? J'ai pas vu les chambres. Tu sais que c'est fou. Vas-y, fais voir. Une petite suite. Il y a des suites. Il y a deux suites. Putain, c'est trop bien. Mais fallait me dire, moi je serais arrivé en maillot de bain carrément. Mais frère, on te prête un truc, on s'en fout. Même si tu veux déjà faire deux chambres. Mélanie, ton regard est trop insistant là. Ne regarde pas trop, tu vas abîmer ma chambre. En tout cas, ne va pas là. C'est ta chambre là-bas. Je suis déjà allé. Ça, c'est hardcore. Mais t'as pas nettoyé. Il a vu la dinguerie. Mais c'est dégueulasse, j'arrive pas. Il faut du nettoyage, enfin genre je peux pas nettoyer qu'avec de l'eau. Non t'inquiète. Avec la langue. Bah tiens, vas-y prends ta langue s'il te plaît, 2 secondes. Allez, c'est tellement gentil que... Ça va aller. Ça va aller. En sérieux, ça va aller. Ça va aller, allez, ça va aller. Tu prends une crêpe. Je sais pas ce que tu fais dans ta vie. Je suis bordélique, je le sais, comme ma vie. Ok. Tu n'as pas le droit de juger. Mais putain, il y a deux chambres comme ça, genre chili, comme... Non ça va, c'est pas mal, juste pourquoi les mouchoirs sur le lit comme ça? Je suis malade. T'as vu toujours à disposition. T'es ouais. Trop bizarre par contre, t'as des idées farfelues, vous avez bah après, des... Il a pas tort quoi, c'est très bizarre. Bah excuse-moi, mais tu rentres dans n'importe quelle chambre, tu vois ça, tu te dis oula. Mais peut-être qu'on dérange. À la base, c'est mon territoire, d'accord. Je fais ce que je veux, c'est mes microbes. Non mais pas... C'est dans la poche, les pas de problème. Il est sur le... C'est sur la coque. Ah comment tu retires le téléphone pour te faire tout, c'est dinguerie. Vous avez rien vu. Non mais pas... Hein quoi? En plus, Louis, j'ai rien compris là. C'est très suspect, là. Attends, mais les chambres, c'est une dinguerie. Ah ouais, les douches exceptionnelles. Une espèce de menteur, vas-y, c'est rien pour toi. Vraiment l'abuseur. C'est incroyable. Il y a une baignoire en plus à côté, elle est fraise framboise myrtille là. Il y a une baignoire? Je te jure, putain, c'est incroyable. Oh non, moi je l'ai pas. Ah, par contre, il y a des petits trucs, faut pas regarder. Oh, mais... c'est. Oula! Wesh, c'est dingue. Non, mais c'est. Il se passe des choses dans cette vie-là. Eh, vas-y. Oui. J'ai compris, je vais pas squatter trop longtemps, j'ai l'impression que je dérange là. La villa de quoi? Des culs brisés, il a dit. La villa des culs brisés? De quoi? Oh ouais, c'est bizarre, hein. Non, c'est déjà trop louche. Là, c'est déjà bizarre. Non, mais... Wesh, mais les portes, elles sont hautes carrément. Non, le temps sous plafond, c'est une dinguerie. Là, on est sur 2 mètres. 2 mètres 5. Bah, après, en vrai, de vrai, t'es vraiment petit, t'as pas besoin de te sentir mais... petit. Tu l'es vraiment. Bah, frère, t'es plus petit. Ils sont, mais ouais, on met tous les mecs de la prod et tout, les fous là, quoi. Mais le mec. C'est ce que je me dis. Il y a des suites de fous. Pourquoi les dortoirs, ils sont blindés comme ça? Il y a que 2 suites. Et après, du coup, il y a que 2. Ah ouais, donc une suite pour les stars et les autres. Mais la Knight, elle a dit c'est moi la star. C'est Mela Knight. C'est quoi, c'est les petites souris là? C'est les capillaires, on a fait ça avec les capillaires en fait directement. D'accord, ok. Non, encore, on a fait le jeu de la roue. Et on a choisi les chambres. On a choisi comme ça. Ah, c'est vrai? Oui. Ah. Oui, c'est smart. Et comme par hasard, il y a que les gens de la prod qui ont perdu. Ah non, mais Mélanie, elle a dit que je veux la meilleure chambre et. Elle ok, ok. T'as capté, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ah, tu l'as bien retenu, Mélanie. Quoi? Elle est dégoûtée. Non, Mélanie. Mélanie, elle a la chambre. Bizarre ça. Alors qu'elle a moins de capillaire. Ah, ouais. Ah, excuse-moi. Elle a moins de buzz, mais pourtant elle a eu. Hein. C'est une dinguerie, ça. Elle a bien retenu. C'est vraiment une dinguerie. Toi, t'as eu une chambre? Oui, j'ai une chambre. Bah voilà. Bah oui. Bah c'est trop bien. Bah oui, non mais c'est trop bien. J'ai rien dit. Bah oui, elle a une chambre. Toi t'as une chambre toi? Non en fait moi je dors dans le cinéma avec Omar. Ah. C'est bizarre, Omar il avait l'air de parler comme s'il était tout seul. Non parce que... Regarde c'est ma chambre. En fait je me suis endormi mais il n'y avait pas de couette. On s'est remis comme ça quoi. Ah ok. Ouais. Entre potes. De toute façon je vous baise moi, le monteur il va couper un moment. Non. Il va le faire, il va s'asseoir. Non. Oh mon dieu, j'appelle Mehdi. C'est une bain. Un truc de malade. Je suis en malade. Oh non, il est trop pris. Ah, tu t'as sur mon canapé. C'est pas bon ça. Oh merde. Oh merde. Il y a 2 POV. Oui, là. Je peux là. Juste là. Juste là dans le coin. Moi, si je veux m'asseoir, c'est juste sur tes genoux du coup. Je peux? Ah, vas-y. Ah ouais? Sur mes genoux. Tu l'as pas laissé là-haut? Ah ouais, on est bien là. Bah ouais, ah, on est bien là, Michou. Ouais. Ouais, c'est vraiment très bizarre. Mais non, mais viens même plus que sur mes genoux, viens là quoi. Là? Mais ouais, installe-toi. Ah ouais? Je sais pas, je te sens timide là. Bah, c'est juste que je suis mineur quoi. Non, oh l'enfer. Oh l'enfer.
Tu répètes après moi. Tu répètes après moi. Tu répètes après toi. Ashhadou. Moi, je pars avec eux. Et... C'est quoi ça? Non, ça vient. Ashhadou. Ashhadou. Encore? Non, mais dis-le. Inch'Allah. Ashhadou. Ashhadou. Allah. Non, voilà, attention, rigole. Non, mais rigole, rigole pas. Pas avec ça. Non, voilà, rigoler. Là, c'est la shahada. Ça, c'est tu témoignes qu'il n'y a que Dieu, qu'il y a que Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Tu vois. Mais tu me reconvertis là. Ouais, ouais, c'est converti. Ah bah oui, mon frère. Non, mais attends, 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 Michou, mais... Michou, calme-toi. Michou Ibn Croton. Franchement, je te souhaite, je te le souhaite de tout cœur que tu sois musulman, mon frère. Et dès que t'es prêt, tu me diras, moi là, laisse-moi. T'es prêt là ou pas? Non, c'est trop tôt là. C'est trop tôt. Déjà, les gars, tout à l'heure, ils demandaient c'était vers où là pour faire la salade. Ah ouais? Et il a demandé la direction de la Qibla. C'est là-bas là. Oh, bravo! J'ai regardé quand même. Bravo! Première chose que je regarde en arrivant. C'est la musulmane prend sur son téléphone. Ah ouais, musulmane. Mais Mijou, tu fais ramadan toi non? Mais tu as commencé ramadan? Elle, elle est feuche. Tu as commencé le tour avec Saïd? Machallah! Non, en vrai, je sais pas si je parle ramadan, mais, non, mais peut-être quoi. Que certains jours. Ah, tu as testé genre? Non, mais j'accompagne Saïd si on passe la journée ensemble. Mais t'es que juste déjeuner pour le corps, c'est bien. Ouais, je sais, mais je sais, je sais. Juste bois de l'eau, c'est trop bien. Ah là, moi je vais commencer là. Parce que j'avais. À l'époque, j'étais pas, mais là je vais commencer. Direct, là, c'est pas grave. Voilà, ok, tu trolles. Non, je trolle. Non, mais parce que. Tu veux toucher les fesses de Baba Kam, c'est noté, enregistré. C'est grosses fesses là. Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre? Il arrive comme un saïen. Elle a kiffé. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce qu'elle arrive là? Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que moi je parle de tes gros? Wesh. De mes quoi? Il y a déjà un truc de fou, il a déjà dit. Ah ouais, mais déjà. C'est bien ce que t'as entendu. Merci, je veux pas. Le combat des titans. Je veux pas savoir, ça me regarde. Mais oui, ça se passe là-dedans, toi et moi. Allez, viens. Ah ouais. Ah, elle est dégueulasse. Ouais. Ah ouais. 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 Wesh! Ouais, c'est quoi ça? Non, là c'est trop, non, là c'est trop. Non, là c'est passé quoi dedans? Excuse-moi, excuse-moi, je suis désolé. Putain! Mais on dit excuse-moi! Les gars, c'est une dinguerie de dire ça. Mais il est fou lui! Elle est fou! C'est ton manager. C'est le tien aussi, non? Ouais, c'est vrai, mais il est dangereux. Il est dangereux. Attention! Faire attention, les gars! Allez. T'es pas dégoûté que ça soit. Tu t'es pas dit genre on va à la neige, on va voir un peu plus de français, etc. à la neige ou ce qui. Et tu t'es dit, oh là, t'arrives, c'est. J'avais oublié que toi t'étais que sur les blagues racistes. Non, j'arrête, j'arrête. Là vraiment, je me suis dit, pour que j'évolue, faut que j'arrête. Ouais, faut que t'arrêtes vraiment. Ouais. C'est à chaque fois que je te vois, c'est. Non, mais les arabes. Mais c'est trop. Ok, j'arrête, on fait un pacte. Tu fais un pacte? On fait un truc, genre si je te serre la main maintenant et je fais une blague raciste, t'as droit de mettre une grosse chiquette derrière la tête. C'est parti. J'ai des membres. C'est bien. Je viens de me les branches juste avant là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je reste une taxe. Bon, c'est comment on va grailler là ou quoi, mine? Toujours, quand même. Toi, t'aimes bien manger? En fait, tu me fumes que quand on va manger, c'est ça le truc, c'est ça. C'est trop? Ah ouais? À chaque fois qu'on mange, je le fume. Mais toi, ça fait deux fois que je te vois avec ce pull. Tu le kiffes trop ce pull là? De fou, frère. Non, mais en fait, c'est simple. En fait, ça fait trois mois. Non, ça fait trois mois que je suis censé déménager. Et du coup, ça fait 3 mois que mes affaires sont dans des cartons, donc j'ai genre 5 pulls. Ah, donc tu les laves. J'ai 5 pulls, 3 paires de chaussures. Frérot, les choses simples. Mais au final. Les choses simples. Au final, tu sais que je me rends compte qu'avec les vêtements que j'ai, ça me suffit. C'est suffisant. Genre, je me dis, frère, j'ai 3 tonnes de cartons, mais en fait, j'en ai pas besoin. Après, frérot. Moi, personnellement je me lave pas. La surconsommation, l'écosystème, les animaux, etc. Mais t'as raison de pas te laver. Bah oui. Ça purifie, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça stocke là. Ouais, je sais pas, j'ai dit de la merde. Faut que j'arrête. Mais toi, tu te laves pas, Michou, ce qui paraît. Moi, je me lave jamais, moi. Il y a une traîne sur toi, ce qui paraît, tu sens l'oignon. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, il y a vraiment une traîne comme ça. Il y a vraiment une traîne. Il y a vraiment une traîne comme ouais. Quoi, je sens l'oignon. Tu sais qu'il pue, ce matin. Ah, mais un petit truc. Hey, en fait, attends. Je sais pas comment elle faisait Elsa pendant Danse avec les Stars. Tu vois? C'est ça qui sent l'oignon. Non, ouais. En vrai, ça pue pas. Ça va? Ça pue pas, ça sent l'oignon. Il a fait mourir pour une blague aussi. Oui. Waouh. Waouh. Ibn Croton. Oui, ça sent bien. Attends, montre, montre. Wow. Non, mais ça sent un peu l'oignon, tu vois. Ça sent les Pringles crème et oignon. C'est le marché, frère. Ouais. Mais t'es fou, frère, c'est sent trop bon. Mais ouais, on dirait un paquet de chips. Ça sent le neuf. Comment t'as pas chaud comme ça des petites heures? Je te jure, ça sent neuf. Mais non, t'es fou, je t'ai pas en deux. T'es fou, mais là, t'es d'homme, ça. Attends, frère. Y'a un truc, ça sent le michou un peu. Mais vraiment, ça sent ton odeur. C'est Pringles crème et oignon, genre et petit paquet de chips à l'intérieur. T'es venu à mon local et j'avais gardé la canette. Genre, ça sent ton odeur.
Oh non. Si vraiment. Tu connais mon odeur. Mais justement, attends, je connais ton odeur. Pour de vrai, y'a pas de blague. C'est pour ça que t'es en mode ça sent bon. Ouais. Non, attends, parce que ça me... En fait, les gars, faut savoir parce que moi je suis un amoureux caché de Michou. Non, mais là, non. Ça me terrifie quand même ce que tu dis. Parce que ça sent vraiment mon odeur. Non, les gars, je troll. Regardez la canette. Mais non, les gars, je troll. Non, t'as vraiment regardé la canette. Ah, pour le sort, chaque live, il la sent. Il prend une bonne aspiration. En fait, à... tu vois, je mets le waiting screen. Ouais. Ah, objectif Michou. Hey, poto, on est en famille là. Mais je suis dans la villa des fous là. Mais là, on est chill, frère. Non, t'es d'homme. Dis-moi. C'est que de base c'était pour les croûtons, mais je sais pas pourquoi. De gauche. Ouais, à la base. C'est qui a pété là? Qui a pété? Ah putain. J'ai entendu un petit... C'était bizarre. Tu n'as pas réagi là quand tu l'as me parlé. Azur, t'as pas chié. C'est bien ça. T'as pas réussi à chier, ça veut dire. Mais ça n'a rien à voir. Ah ouais? Je t'avoue, c'était... Il a rassemblé tous les voyageurs ski. Ouais. Et le téléphone, il est trop intelligent. Parce que même nous, là, il y a... Attends, mais tu vas serrer s'il voit ça dans la vidéo. Non, s'il te plaît, laisse-le dans la vidéo. C'est moi, wesh. Ah mais oui, mais j'ai vu. T'es moi, wesh. L'iPhone, il fait des auto-reels. Ah mais c'est fou. Voilà. Il a détecté que j'étais à la montagne. Moi, j'ai plus... Ça y est, toi, t'es au chômage, mon frère. C'est terminé. Y'a plus besoin. Et là, regarde, c'est Michou. Voilà que c'est celle-là. Ah merde, attends. C'est moi. Et là, t'es moi, c'est Michou. Merde. Je t'en souviens encore, je te souviens. Ah ouais. C'est moi, attends, regarde. On dirait un fan. Je peux t'aider pour les infos. Regarde, là, y'a mes Michou. Te rappelles de ça ou pas? C'était la lame qui nous a ramené dans le... Rappelle comment il était gros. Tu te rappelles de la scène ou pas? C'est une dingue de dire ça. Ah ouais. C'est moi qui me ramène dans cette scène. C'est vrai. Ouais, ça nique les yeux là carrément. Ouais. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Bah ferme-la. On se regarde. Ok. Désolé, chef Bichoui. Ouais, t'inquiète. Mais ils vont t'as vite fondu après la neige. On y va? Ça a fondu du ouf. On y va, là. Ouais. Oh, après Dalcy, Bichoui, Miguel. Ouais. J'ai préparé une liste. T'inquiète même pas. C'est qu'après Dalcy. Même mec, je te balance des jeux. Hein? Pour les jeux. Et tu veux faire des streams chez toi au local. Mais là, je fais ah, de là. Ouf. Je suis chaud. Je fais comment pour mettre dans la story ça? De quoi? De mettre la night? Ouais, elle m'a envoyé ça. Comment je fais pour mettre dans la story? Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu mets Chalet aussi? T'as craqué? Hein? T'as craqué? J'ai craqué pour Tobias. Ah. C'est bien ça? Non. C'est bon? On est dans le van ou on va en voiture? Ah, je sais pas. Attends, tu pilotes. Oh non, la voiture. Frérot, tu veux? Viens voir deux secondes. Non, mais je suis monté dedans derrière. T'es monté derrière dans la voiture? T'es comme ça, genre c'est. Non, j'étais pas comme ça, j'étais comme ça. Eh, il me dit, je t'avais dit. Machallah. Il a dit le dos en avant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le début, c'est un signe. C'est le deuxième mouvement de la prière. Quand tu pries, le premier c'est comme ça. Après, c'est comme ça. Ah ouais, vraiment. Voilà, la tête de moi. C'est trop de tout déformer ce que je fais. Mon ref, c'est à cause de ton fond d'écran. Ça. De ton ordinateur. Non, parce que ça charge là, je crois. Ah ouais, ok. Enfin, attends, dès que c'est oublié, tu me dis que ça marche. Vas-y, je te dis. Oui, il a fait. Oui, il a fait avec Riyad. Ouais, une fois j'ai fait avec Riyad. Il a fait toute une journée de ramadan. Parfois tu peux jouer. T'inquiète. Non, les briques, c'est exceptionnel. Ramadan, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans avec Riyad. T'as vu? À un moment, on commence à cuisiner les briques avec du kiri. Ah, j'ai vu la vidéo. Quand j'ai du kiri. Et t'as mangé. Ça, c'est une barre de fou. Mais frérot, moi je suis là. Naturellement, j'ai du kiri sur les doigts. Je fais. Et là, gros silence, tout le monde me regarde. Bon flop ça. Oh, gros flop. Tu sais que je m'en voulais trop. Mais tu sais que ça arrive même. Même au meilleur, on va dire. J'ai une bonne raclette là. Mama. Je sais pas, on va manger quoi? Halal, hein, déjà. Ah ouais? Ouais, ils ont. Toi, tu manges halal, de toute façon. Ouais, moi je mange tout, moi. Eh, moi, tout ce que tu me donnes, je le gobe. Hein. Tout ce qu'on me donne, moi. Mais qu'est-ce que. Tu tapes dans tout, quoi, direct, tu tapes tout. Bah, tout ce que. Je sais pas, je mange quoi. Tu manges. Oula. Ça allait pas avec ce que je voulais te faire. Bien. C'est un bon. Et là, t'as mis la combinaison pour. Mais regarde. Mais non, c'est pour l'après-ski. Regarde, à vous c'est fashion. I am fashion. À vous c'est fashion. Mais franchement, mais magnifique. Hein. Tu vois? Tu vois? Vrai. Elle a un flow là. Ah bon. La photo, Choco. Bien. Mais non, Tobias, t'es cadré maintenant.
frère cadreur, interprète, compositeur, tout. Eh ben allez go, on va les manger, j'ai la dalle. J'espère qu'il n'y aura pas de galère, hein. C'est les freins, ils ont congelé. En fait Omar, c'est juste ils ont congelé. Et comme t'as freiné sec direct au début, mais normal, faut que tu freines. Et bah ils ont chauffé. Mais t'inquiète, c'est rien. Ça va pas. C'est rien. Tu sais, tu fais quoi quand tu redémarres? Tu mets des petits coups de frein pour les chauffer. Ton deuxième métier, c'est mécaniste? Non, j'aime trop les voitures. Mécaniste, ah ouais. En gros, on a fait quoi? On a fait comme la petite crouton. Donc moi, en fait, je vais essayer de manger comme il faut pour être valouze. Elle, ça va être Michou. Ah, c'est les cache-cache, genre. Cache-cache. Ouais. Je dis oui à tout pendant 24 heures. Bah oui, je l'ai fait au Mexique, je vois très bien. Après, t'as pas inventé l'autre chose. Oh. Enfin, encore une fois. Le combat, les gars. Bah, oui, le combat des youtubeurs. Ah, parce que là, c'est non, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas inventé grand-chose. Qu'à dire. Et Emilio. Emilio. C'est petit, ouais. Emilio. Qu'à dire, Emilio. Qu'à dire, Emilio. Ouais, Nabil et Assem, merci de me suivre. Les gars, c'est pas son anniversaire, les gars. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Les gars, c'est même pas son anniversaire. Moi je me mets à côté de ma star préf. Mon youtubeur streamer préféré. Espèce de menteur. J'ai trop aimé ton seul bâton. Bah ouais. Tu mens. Mais Arza, il est hein? Ah ouais, pour de vrai? Ah ouais. Non, ça m'a cassé les couilles. 15 jours à voir ta gueule. La distance, elle est à 274. J'avais dit 280. Moi j'ai dit 274 pile. Mais personne ne me calcule vu que je suis un fantôme. Vu que je suis aigri. C'est peut-être le aigri, ouais. La Cali elle est ouf, hein, c'est marrant. Bien sûr, la Cali elle est fou, calé. Bien sûr. Ouais, c'est qui cadre en même temps? Mais c'est qui cadre l'iPhone? Devant le téléphone? Bah ouais. C'est pas un iPhone, hein. Merci beaucoup. De rien, c'est pour moi. Coucou. Tu mets un filtre sur ma tête. Il y aura pas de filtre, les gars. Parce que vous savez quoi, le plus important, c'est que dans la vie, c'est pas le filtre, c'est la naturelle, le naturalisme, les gens qui est ça. Tu veux que je la passe? Allez, nickel. Je la fais avec tout le monde. Je stresse. Mon balle. Attends, tu dis combien? Enfin, 274. Ah ouais, j'étais loin. Tu dis combien? 225. Non, pas de photo, les gars. Pas de photo. Pas de photo, les gars. Allez, les enfants. Les enfants, venez. Non. Allez. Non, mais elle marche. Bah ouais, frère. Oh le cri, frérot. Cri. Nul mon. Oh non les gars. Regardez, la vue elle est magnifique, mais la neige elle commence à partir. C'est triste. Bye bye Cam. Non s'il te plaît, non. Anissa, non. Anissa. Bisous le papa. Anissa. Arrête, non c'est bon. Anissa. Voilà, j'ai eu ça. Gourgonzola. Eh, t'as vu ça sur les plaquettes? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est bourré? Mais c'est Ramadan dans même pas deux jours et t'as bu? Saïd, deux jours. Promets-moi ça correctement là. Remets-moi. On dirait c'est moi de sa manageuse. Saïd. Bisous. Non. Je pensais que c'était la voiture au démarrage. Les gars, j'ai un pincement au niveau du cœur, donc je filme, on sait jamais, pour l'assurance vie. Donc voilà. Quand je respire fort, ça me pique. Non, pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Attends, c'est chaud ça. Là je peux respirer fort là. T'es à l'hôpital gros? Ah ouais? Non. Omar, il s'en bat les couilles. Voilà, il a mis du son. Tu sais que ça, les freins ils sont morts. Ah moi je rentre tranquille. Vous connaissez pas FRH mécanique? Il va ramener un mécanicien. FRH mécanique. Allez les gars, c'est parti, on va aller faire des photos de groupe. Bah allez, on se met là. Ah faut être ici.
pousse comme ça. 1750, il date le chalet. Il a ton âge. Bon, allez, serrez-vous. Ouais, je vais dire. Toi, tu étais trop proche de Choco, gros. C'est pas ma cam, c'est pas moi. Mais j'ai bien trouvé le chou. 1, 2. Deux. Attends, j'ai pas. Arigato! Un, deux, trois. C'est le plus gros fils de pute, celui-là. Le plus hypocrite. Hey, Saïd, je t'adore. Moi, je te kiffe, mon ref. Fils de pute. Hey, comment je kiffe quand t'es comme ça, mon frère. Allez, gâteau. Sincèrement, vous vous aimez bien, en fait. Hey, l'hélicoptère, il a... Attends. Hey, les gars, donc là, normalement, il y aura une big surprise qui va arriver pendant le vlog. Je vous dis pas ce que c'est, d'accord? C'est un truc de fou malade, ok? Je vous montre ça tout à l'heure. Oh, mais... Elle m'a dit trop bien. Non. T'as cru que t'étais DJ ou quoi? T'es fasciné par mon crâne. Oh le bâtard. Oh, j'ai fait ça, je monte le son. Est-ce que je peux toucher ton crâne? Tu sais que celui qui touche mon crâne, il aura... Oh c'est trop doux. C'est doux. C'est aussi doux que patinoire. Voilà ce que j'allais te dire. Et tu sais que Ismaël, il est en mission. Il a quoi? Il est en mission dès que patinoire a fait des trucs. Ah, mais il faut qu'il m'envoie là. Elle m'envoie au patinoire, ça fait deux jours déjà, deux jours sans elle, c'est trop. Arzany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 
respecte plus du tout, Yann. Malade. Putain, j'ai c'est trop plein, je peux plus lâcher un. Oh putain. Miaou. C'est terrifiant comment elle le fait. C'est mignon le miaou. Vas-y, voilà. venez, on le fait tous chacun notre tour. Saïd. Vas-y. Wesh. Ça, là, c'est un lion là. Elle l'a fait trop bien. Vas-y, à ton tour. Vas-y, à toi. Il l'a fait trop bien. Vas-y, à toi. Ok. Vas-y. Concentre-toi au bien. Quoi? Mouah. Il sort des chicken. Attends, chouchou. Attends. Ok. Attends, vas-y. Non, c'est plus rouillé, vas-y, c'est éclaté. Ah, vas-y, c'est éclaté. Attends, refais. Mais attends, non. Attends, chill, il est éclaté, wesh. Non, on doit pas rire, là. Non. Vas-y, vas-y, sérieux. Miaou. Écoutez, on attend. Il arrive. Attends, Tobias, fais-le. Ah ouais. Miaou. Y'a votre taxi? Nadir! Oh là là! Nadir, ils adorent! Oh là là! Wesh, les gars, c'est un truc de fou! T'es mal, l'hélicoptère! C'est trop. Non, mais tu sais que j'en peux plus. C'est trop un flexeur. Moi, de base, je voulais venir comme tout le monde. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais frérot, là, les gens, ils vont regarder le vlog. Mais frère, mais aussi, mais c'est un kiff! Je crois que je me balade en hélicoptère! Genre, moi, je suis venu de Paris comme ça! Mais non, c'est juste un temps en temps, un kiff! Mais même attends, pas. Je viens regarder derrière. Il va atterrir là-bas. Ouais, c'est bon, il atterrit. Ah. C'est une dinguerie. Et wesh. Wesh. Allez, la avalanche. Wouah. Wesh. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais mec, c'est impressionnant d'ici. C'est vraiment une dinguerie, wesh. Oh. Frérot, la neige, elle s'arrêtait plus. Y'a de la poudreuse, c'est pour ça. Putain. Non, c'est trop incroyable. Moi, tu rentres avec nous. Ouais, je vais laisser là, c'est de ouf. Bah ouais. Fin des vlogs les gars, c'est dernier jour, on se casse. On est d'accord. Putain, la chance, j'aurais kiffé. Non mais là c'est trop là. J'aurais kiffé monter. Ça, tu vas vomir. T'as déjà monté? T'as déjà monté de temps? Mais non, moi je vais pas vomir. Ah bah si, en Paris. Mais en détente, en moi. Paris. T'as déjà fait d'hélicoptère? Hélicoptère, j'ai déjà fait une fois. Une fois? Ouais, à Tahiti. À Tahiti? C'était incroyable. Là ça va être autre chose, genre les montagnes et tout, frère. Ouais. Mais ça fait flipper parce qu'il y a des nuages quand même. Il y a des nuages, il y a du vent, il y a de la neige. Tu vas vomir. Saïd. Ah, il a dit que c'est trop ouais. Dangereux. Ça, t'es fou là, ça, tu te manges les deux derrière, t'es mort. Même au-dessus, hein. T'es, tu te rends pas compte la vitesse là. Hein. Genre, on dirait pas qu'elle tourne vite. Frère, elle te découpe la tête là. En hélico, encore. Wesh, t'es en claquette. Ça c'est vraiment une dinguerie là. C'est les gars, c'est GTA. Ouais, Saïd, tu crois la vie c'est GTA? Hein? C'est GTA en fait ta vie. Poto. Toi t'es dans GTA. J'ai pas le temps. Coupe-moi mon ref. J'ai pas le temps mon ref. Je suis désolé, faut que j'y aille. Faut que je rentre. Michou, c'est l'heure d'y aller, on y va. On y va Michou. Ah ouais, non, c'est vraiment GTA, non, c'est réel. Regardez les gars, l'hélicoptère. Poto. Non, mais voilà, il croit que nous, frère Poto, non, on n'a pas le temps. Frère, on était on a un live. Michou, faut qu'on rentre vite, on a un live. Ah, viens, on va aller voir l'hélicoptère. C'est une dinguerie. Regardez les gars, l'hélicoptère. Je suis ici. On part direct. Bah il part direct à chasse. C'est mieux non? Il y a du vent là. Ah, vous êtes resté là. Ah, parce que là ça va. Le top. Après, on est pas mal logé. Hein. On est bien bloqué quoi. Hein? On est bloqué au bon endroit. Ouais, vraiment. Tu veux qu'on attende un peu avant d'y aller parce que moi, je suis pas non, trop... attendre, ça va. C'est pire, ouais. C'est pire, ouais. C'est mieux qu'on décolle en fait. Là, on attend juste l'autorisation du pilote. Ah, c'est comme. Eh, voilà, je me chie dessus, les gars. Non, non, mais ça fait. C'est l'hélico. Ah, bah justement, parce que moi, j'ai Kobe Bryant, c'est bon. Hein.
Il a dit l'hélicoptère ça, ça coupe le vent. Ouais, non, non, si, si. On dit au revoir et. Mais c'est vrai que là il neige beaucoup pour prendre l'hélico, non? Ouais, y'a du vent. Mais vu comment, non, mais vu comment le pilote il a l'air pas rassuré, je pense qu'il faut pas y aller. Hein. Il a atterri, ça a fait. T'as vu, il a fait. Mais il vient d'avoir le permis là. Il est comme Choco là, il est à sa centième heure. Mais il a dit, moi faut décoller maintenant, sinon c'est chaud en vrai. Voilà. Frérot, moi je sais que j'aurais peur pour de vrai. Non mais attends, mais là on va pas à la gare dans ces conditions là. Carrément justement, la gare il y a trop de vent. Donc vous allez là à côté, il y a un mec à vous récupérer. Il y a autant qu'on partait en voiture. Ouais. En vrai de vrai t'es un peu chaud ou ça va? T'as confiance? En fait, moi je me dis si le pilote il y va c'est que c'est bon. Ouais bah parce qu'il y a sa vie à lui-même entre ses mains. Ah on t'appelle. Attends j'ai ma meuf qui m'appelle. T'inquiète. J'en parlais pas. Non. Frérot. C'était un plaisir, de toute façon nous on se revoit, mais on se revoit après-demain en fait. Voilà, après-demain à l'Olivier, restez branchés, voilà. On y va? Vas-y. Je suis en train de mourir de froid. Frérot, rentre bien, bon courage pour Dals. Merci. Merci frérot. Si tu peux, tu peux nous faire un petit message. Mais de toute façon on se voit, tu viendras. Vas-y, chaud. Bisous la mif. De l'autre côté, je prends de l'autre côté. Go. 1000 euros la minute, go. 1000 euros la minute. Je vois la minute, la minute. À qui je donne le CP? Dépêchez-vous. Là, je crois qu'on va acheter un hélico, c'est rentable. Ouais, parce que tu voulais rien que ça DV, mais c'est mieux, hélico. Mais là, on va mourir s'ils partent. Les gars, je filmais un peu, je filmais le départ. Franchement, dinguerie. Et avec le froid, la batterie, elle part vite de la caméra. Donc, on essaie d'avoir le maximum de rush. Ça s'enfonce, hein. Pourquoi tu me prends toujours dans des comportements très désobligeants? Je filme tout le temps. Oui, au revoir. Au revoir, Babacan. Michou. Vas-y, 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 vite, vite. Vite, je te prends photo, vite, vite, vite. Je la prends photo en même temps, je casse tout. On est fait plein, ça va, c'est bon? C'est une dinguerie. Ça sent le fuel. Il y a du vent devant là. Devant là. C'était une dinguerie. La chance là les gars, ils sont en train de voir les montagnes et tout, ça doit être trop beau. Ça doit être trop beau. Purée. Bon voilà, ils ont décollé. Franchement, l'un des meilleurs moments de truc hein. Je suis allé. Les gars, on a fini le cache-cache. Maintenant, on enfile les sabbats et on va aller faire de la motoneige. Ça j'ai jamais fait, on m'a dit faut aller avoir le permis voiture je crois. Et c'est ça, mais dit faut le permis voiture. Non, faut rien. Ah faut rien. Ah ok, bon je suis en ouf, je parle. Je suis. Le BSR. Ah j'ai même pas le BSR. Mais je crois que quand t'as le permis voiture, c'est l'équivalent du BSR. Je crois, non? Oh, je peux monter derrière le C63 AMG SL43? On est combien en tout? Pas beaucoup, je crois, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu prends le SL43? Il a des gants, il est. Parti, les gars, j'ai mes gants, j'ai mes trucs. Comme ça, s'il y a du vent, s'il y a quoi que ce soit. Oh, je peux monter devant. Ah non, il m'a dit. Ça sent le tabasco. Oh, allons-nous? Allez, ski. Où allons-nous? À le ski? Non, nous allons pas à le ski. Nous allons en motoneige. Où allons-nous? À la motoneige. Vraiment, c'est vraiment bête d'avoir mis 10 heures par dimanche. Le gars fait comme Anissa, mais des Chewbacca, mon frère. Fait comme tout le monde, à un moment donné, quoi. On est venu là tout à l'heure, carrément. Oh, il y a un ours. Un loup. Les gars, je rappelle, hein, c'est toujours Mehdi qui nous met bien dans toutes les activités, etc. Ouais, mais tu as gauche. Toujours, hein. On est là, hein. Les activités, tout ça. Les prestations, quoi, je vais te dire. La conciergerie, hein. Il nous met bien, c'est ça. Ah, j'avoue, les gars, c'est. J'avoue, tout seul, frère, j'aurais même pas réussi à réserver motoneige. Ski, chamois et sport. C'est... Bonsoir, excusez-moi. C'est ici pour la motoneige? Ah, ok. Ok, ça marche, merci beaucoup.
Au revoir, bonne soirée. Oh là, t'as cassé la porte. Wesh, il est venu en Laguna, le frérot. T'es à l'époque. Non, mais c'est en mode vraiment. Non, mais Skin, il est bloqué en 1812. Voilà. Bah, dis-le, Psartek. Psartek, machallah, c'est le mec. Avdek, Amin. Oh, épine. Un escalier, oui, bien sûr. La neige, on va monter ça. On va faire la moto. Bien sûr. On va faire un moto. Je parle comme. Comment ça s'appelle là, les Belges? T'es complètement bourré. Ah, comment on appelle ça déjà? C'est pas les œufs, Des œufs? Ça glisse de fou, tout ça. Ça glisse là, ici? C'est de fou, ouais. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, c'est les tuches que tu voulais dire. Ah, les tuches, ouais, exactement, voilà. J'ai dit les Belges. Ah, c'est là la motoneige. Oh, mais ça va être trop bien, wesh. Mais ça va être incroyable. Ah, mais je crois que je vais monter avec Arzano quand ça il me filme. Moi, je suis avec Mehdi. Arrête. Mais Mehdi, tu fais aussi. Moi, je suis avec Mehdi, tiens, les frères. Attends, c'est pour nous, ça, tout ça? Tu mens. Ah, ouais. Il y en a assez pour moi. Vas-y, bah. Tu sais, on fait quoi? Je conduis un petit peu pour mon vlog et après je te passe. On passe quoi? Je te laisse conduire après. Non, mais je vais redescendre. Tout pour le style. Hein. Y'a des coffres et tout, de toute façon. C'est pas où d'aller, gars. Ouais, ça tue, hein. Vas-y. Tu sais que dans le vlog, quand t'as parlé à la caméra, c'était parfait. Dans le vlog d'hier. T'as fait des petites incrustes, c'était magnifique. Ouais, je suis bien. Ouais. Tu sais que quand t'as vu, je passais sur ton live pendant le sabbaton. Eh, les gens ils m'ont dit de me lancer et tout, ils m'ont dit. T'en as rien à foutre. Si, quand t'es passé. Ah, regardez, en fait, les gars, mais... c'est ça là. Mais voilà, j'ai conduit. Non. Comment ça, tu conduis pas? Mais frère, moi je vlog tout le monde là. Eh, tout pour le contenu, hein. Mais c'est combien de temps? Je sais pas, une petite heure, je crois. C'est pour ça, faut bien être habillé, hein. Pour de vrai. Vous allez pas kiffer. Ouais, c'est comme le jet ski, t'as l'impression que 3 minutes c'est pas beaucoup, mais. Mec, après, je vais chercher des trucs. C'est pas comme ça. C'est vraiment... rien, moi j'aurais dit pareil. Jet ski, tout ça, pareil. Ah ouais? Non. Tu sais que, non mais vraiment, jet ski, frère, c'est 30 minutes parfois les trucs à la ah plage. Ouais, et tu payes 100 balles. Ouais, mais t'as l'impression que c'est pas beaucoup 30 minutes. Ouais. Frère, à la fin, t'as les bras, ils sont en compote, t'as envie d'arrêter fait, limite. T'as déjà fait de la bouée tractée ou quoi? Ouais. Bah, j'ai un cousin à moi, on a fait la bouée tractée, il s'est déboîté l'épaule. Tu sais que moi, je me suis arraché la peau du menton là. Ça c'est trop dangereux ce truc là. C'est légal, si tu trouves. Bah non, du coup. Tu connais. Si tu trouves des petits gants, tranquille. Merci. Ferrari Invest, les gars, c'est simple. C'est Ferrari Invest. Ils s'occupent de tout. Nous, on s'occupe de rien. Si t'as besoin de gants, ils te les ramènent. À méditer. Oh! M33 litres, 2300. Ils ont lâché les hélicos. Mais est-ce que ça freine comme une bécane? Hein? Non, parce que ça glisse. Est-ce que ça freine comme une bécane? Mazelo, elle a compris ma blague. Toi, t'as compris, mais t'as pas rigolé. Si. Mais en fait... Rigole. C'est bon. On s'est pas foutu sa gueule. T'es malade ou quoi? On était tranquille. Mais on s'est pas foutu sa gueule. Non, non, mais absolument pas. On s'est absolument pas foutu sa gueule. Mais on était tranquille, là, du ouais. Non, je te dis, on savait pas où c'était. On s'était ah oui. Ouais. Mais nous, c'est logique, on va à côté des bécanes. Si on fait ça, c'est qu'on fait pas tous les jours, on est non, là. Non, mais au ski, après, frère. Non, mais après, la vérité, est-ce que en vrai, ça sert vraiment à quelque non. chose de vouloir faire de la bécane alors qu'il nous a parlé comme ça? Non, ouais, mais là, c'est fini. Attends, mais là, tu filmes? Ouais. En fait, les gars, ça filmait pas plus tout à l'heure, mais le mec de la bécane, il vient. Ça archi mal. Il dit, ouais, l'impression, vous venez à 10h30. Nous, on est en retard de 10 minutes. Au pire des cas, c'est notre problème. T'es même pas en retard, on est arrivé. Omar, j'ai pas son numéro. Ah, c'est son numéro. Eh, dis-toi, rien même, on est arrivé à 30 là-bas. Je vais l'appeler, attends, j'appelle Mehdi. Ah ouais, j'avoue, bon plan ça. Hein? C'est un bon plan ça. Mehdi, putain, j'ai pas son numéro. Ok, WhatsApp.
dinguerie, wesh. Ouais, Bilal. Ouais, Mehdi, t'es où? On arrive, on est en train de payer. Hey, Mehdi, tu vois, il y a le moniteur, il vient en moto. Ouais. Tu sais que, je te parle sans blague, il nous a parlé comme des animaux, voilà. Ah ouais? Tu sais, il nous dit quoi? Il nous dit, il est en train d'acheter les trucs. Il est en train d'acheter des trucs. Il nous dit attends, quoi? Attends, j'arrive. Vas-y, je t'explique, c'est ça, c'est dinguerie. Ouais, vas-y, j'arrive, je vais régler le truc. Vas-y. Oh là, frère, je suis choqué. En fait, au pire des cas, c'est notre problème à nous, on aura un peu de retard, tu vois. Il m'a dit, il a la caisse, il sort là. Il va sortir là, je pense. Continue à filmer, quoi, ça. Ouais, t'inquiète, je vais me mettre au. S'en fout, non, mais filme discret. Filme des bases, genre. Ouais. Ouais. Je sais pas chez qui il nous envoie, je vais l'insulter. Ouais, Joséphine, c'est quoi ces gens qui nous envoient? Il a filmé. C'est carré. Viens, le nom de la location. Si tu savais le nom de millions d'abonnés. Les problèmes. Attends. Mais là, ils ont vu la caméra. Ouais. C'est n'importe quoi. Voilà. Attends, laissez Mehdi. Wesh, les gars, laissez Mehdi. Je vais prendre en photo. Voilà, je vais faire une mauvaise pub. Ouais, mais normal, frère. Et laissez Mehdi juste. Moi, je vais faire ça. Ça se voit, c'est une caméra cachée ou pas? Alors, regardez, il est comme ça. Genre, il a la grosse caméra, il est comme ça. Oui, attends, ça se voit. Je vais la mettre dans mon. Mais non. C'est juste, ça fait 3 jours, ils sont archi assis avec nous, merde. Non. Ça fait 3 jours, personne nous cala. Ça fait 3 jours, ils sont archi méchants. Il est où? Non, c'est un gars là, il rigole, ouais, c'est une dingue. Quand il rigole derrière la vitre. Qui? Là-bas, là. Rigole. On les filme. Moi, je filme. Viens, je vais rentrer dans un magasin avec non, la caméra. Non, je vais leur parler. Non, c'est pas là le magasin de location. Regarde, je parlais gentiment. Gentiment, je leur dis bonjour, on aimerait juste expliquer pourquoi, non. Le comment. Et c'est moi, je parle pas avec les comme ça, c'est rien. Viens, Kassa, ça fait du contenu pour moi. Vas-y, mon frère. Bon, en tout cas. On a appelé mon autre contact juste à côté, à 5 minutes là. Oh, eh, mais c'est eux, hein. C'est toi? C'est eux? Je sais pas. Eh, hey, c'est même pas. C'est les motoneiges, elles appartiennent au restaurant. Bah on va aller rendre visite au restaurant. Ah, non mais c'est là-haut, mais de toute façon depuis tout à l'heure ils sont en train de nous regarder en rigolant là-haut. Ouais. Ah c'est en haut, bah vas-y, bah attends, je vais viens regarder. T'inquiète, je crois que vraiment. C'est quand même si je vais peut-être te rendre les autres. En après, mode vraiment. Après, pas sûr, hein. En mode respectueux, je souris tranquille. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est venu nous voir pour les motoneiges. Ouais, c'est le kill mec des motoneiges. Ouais, il y a un jeune homme aussi avec le gérant. Ouais. Ouais. Moi, je m'occupe des réservations. Non, mais j'ai à côté au marmotte. Ouais. Ouais, on a mangé au marmotte. Non, parce qu'en fait, on peut bien l'afficher. En vrai, c'est bon. On a déjà un peu parlé comme des merdes. Voilà. Et on veut l'afficher en fait. On est venu déjà ici pour l'afficher. Et ça s'est terminé sur. Il y a 15 millions d'abonnés là, donc on va bien l'afficher comme ça, personne ne merde. C'est dommage pour lui en fait. On va bien l'afficher. Je veux vous dire ça, mais ça peut vraiment casser votre doute. Ouais, mais il est pas très. Je suis sûr que tu veux qu'on te l'appelle. Ouais, vraiment. Mais moi, ça casse. Moi, ils existent depuis plus de 60 ans, je pense que ça cassera pas le truc. Non, mais attends, on parle pas d'abonnés, on parle de principe en fait. En fait, on est arrivé. On parle. En fait, on était juste là-bas et fallait venir ici. Juste pour ça, il nous a dit, il nous parle vraiment comme des merdes. Ouais, c'est bon. On arrive à 30 piles, ouais. C'est le bon souvenir de la journée, ça. Ouais, par contre, des résas, hein, faut se pointer à 17h15. Ouais, bon, on sait rien, c'est des gens qui gèrent. Mais en fait, c'est bon. On ne pas que ça soit avec tous les clients. Non, mais bien sûr, on a fait des poches, on a fait des trucs, tout ça, c'est nous. Mais ça, on ne vous inquiétez pas. Juste là, ouais. Oui, au pire, ils l'ont payé. Même si c'est pas la faute de tout le monde, c'est très bien. Non, en fait, pour tout dire, on est arrivé à 17h30 ici parce que nous, on était allés en bas. Parce qu'en fait, on savait pas que c'était le restaurant. Ouais, je me dis, au pire, c'est nous, on perd du temps, c'est tout. On paye le même prix. Ouais, mais en soi, on paye le même prix. Au lieu de faire une heure, on a 45 minutes. En fait, on est arrivé à 17h30 devant les motos, mais on était en bas parce qu'on savait pas où c'était. Merci. Et du coup, à 40, c'est lui qui arrive. Nous, on attendait. Donc, pendant 15 minutes, ils étaient partis acheter du matos, tout ça. Et là, il arrive et il nous dit ça, mais genre, mais d'une manière, je vous jure.
Parce que nous, on est hyper bonne, good vibe, tout ça. Mais quand il y a des gens qui parlent mal, il faut appeler. En fait, justement, on était souriants et ils pensaient que tu sa gueule. Que t'as un nouveau. Alors que non, t'es en vidéo. Non, il a même pas eu le temps de faire ça. Il arrive en retard, vas-y. Imaginons qu'il arrive en retard et il dit casse-toi. Non. Toi, tu lui dirais casse-toi. C'est bon ? On aimerait s'expliquer du coup par rapport à des agréments. En fait, je voulais savoir pourquoi vous avez parlé comme ça. Alors, déjà d'une, vous arrivez. Non, pas 20 minutes. Attends, laisse-le parler. Le rendez-vous, il est fixé à 2h15 ici au niveau de là. Ok ? Vous n'êtes pas tout seul, moi j'ai des clients derrière vous. D'accord. Donc ça me décale toutes mes sorties. Non. En fait, ça dure pas les 45 minutes, on fait 30 minutes, mais bref, c'est pas grave. C'est pas vous qui payez la sortie, c'est un organisme qui le paye. Mais c'est lui l'organisme. C'est moi l'organisme. C'est le PDG de toute l'entreprise. À partir du moment où c'est payé, je fais ce qui doit être fait. C'est-à-dire que si vous payez pour 50 minutes, je ne vais pas vous faire rouler 30 minutes. Mais vous savez que c'est... Mais si on est en retard pour tout le monde. Mais pourquoi vous nous parlez mal ? En fait... Alors après, j'arrive, je vous dis gentiment que vous êtes en retard et que ça se fait pas. Gentiment ? Oui. Et le respect, il est où le bonjour ? Comment allez-vous ? Et la première chose qu'on me dit, c'est que moi, je vous manque de respect. Mais bien sûr, vous manquez de respect, je parle devant vous. C'est moi qui vous paye, c'est moi qui a réservé l'activité. D'accord. Via Joséphine, l'office de tourisme. Moi, je viens vous voir, vous ne me calculez même pas. Donc là, vous inquiétez pas, quand je vais faire de la bonne pub, je vais parler au directeur de l'office de tourisme et je vais faire du bruit. Et vous savez pas qui vous avez affaire. C'est juste ça que j'ai à vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai un contact avec Joséphine. Mais moi, je m'en fous avec qui vous avez un contact. Juste, je veux pas. Après, quand on arrive en retard. Parce que là, vous avez vu des jeunes, vous leur avez mal parlé. Moi, qu'ils soient jeunes ou pas, je vous l'avez mal parlé. Ça aurait été des gens plus âgés. Des choses comme ça de vous tenez, sur votre activité. Ça aurait été des gens plus âgés, ça aurait été exactement la même chose. Et maintenant, des gens d'une autre, la moindre des choses quand on est on arrive avec 20 minutes en retard. Je l'ai appelé, on s'est excusé vite avant, le temps qu'elle m'envoie votre numéro, on était en train d'acheter les charges. La première chose qu'on a dit, c'est s'excuser. Joséphine, je l'ai appelé. Attendez, la première chose que vous dites, c'est excusez-moi du retard, monsieur. Ça a été filmé, j'ai dit excusez-moi du retard. Alors ça, je l'ai pas entendu. Parce que vous parlez à un mur. Je pense que vous entendez ce que vous voulez entendre, mais c'est pas grave. C'est pas que je parle ce que j'ai. C'est simplement du savoir-vivre. Je pense que vous avez de l'expérience dans le savoir-vivre. Mais on a filmé, tout est bien, on a bien kiffé, il n'y a pas de soucis, tu vois. Nous, oui. Non, mais le respect, ça passe après la ponctualité. Toi, la prochaine fois, tu as un rendez-vous quelque part. Déjà, regardez-vous, ça sera vous, moi je vous vois. On se connaît pas, je suis venu, je vous dis, excusez-moi, comment allez-vous? Pourquoi vous me tutoyez? Vous pensez que j'ai quel âge? Et que tu arriveras. Vous pensez que j'ai quel âge? 25 ans, c'est cassé. Non, pas du tout, on est encore plus jeune. En tout cas, c'est dommage pour vous. C'est la honte pour vous. Et bah, c'est la honte pour moi. J'espère que vous allez garder votre travail, mais c'est dommage, vraiment. Parce que là, c'est filmé, on va mettre ça sur internet. C'est dommage. Mais c'est dommage pour vous. Dommage de quoi? En tout cas, passez une bonne journée, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Je filme. Alors ça les gars, rien à voir avec FRH Invest. C'est juste, vraiment pas. C'est juste, malheureusement parfois quand t'as une certaine couleur de peau. Même une attitude, une dégaine, une façon de s'habiller. Une dégaine ou même, on va dire, une différence qui est pas censée être différente. Normalement on est tous humains. Et ben ça dérange certaines personnes et qui vont manquer de respect parce qu'on est jeunes ou quoi. Non t'inquiète, j'ai bien expliqué qu'il n'y a rien à voir avec FRH, c'est juste des guignols. Sinon les gars, ça arrive à tout le monde. Hein, mais en fait, il est fou. Il a dit, ouais, j'y vais avec l'organisation de événementiel machin, mais c'est magique. Il savait pas que c'était lui. Celle-là, elle est magique. Les gars, c'est lui le PDG, wesh. Quand il a dit, ouais, c'est pas vous qui payez, bah il est là. Je suis là. T'es un ouf ou quoi, toi? Bon les gars, on va voir ce qu'on va faire. On se retrouve tout de suite. Bon. Waouh, vraiment. Bon les gars, on vient d'arriver au chalet. Finalement, on va aller faire un peu de luge, un peu de bataille de boules de neige. Faut qu'on continue à faire du contenu pour la roue, c'est pas grave. Les gars, même quand il y a des problèmes, on vlog. On continue le contenu pour le chalet, FRH. Bon les gars, je veux dire un truc dans cette vidéo-là. Le mec, il m'a donné l'autorisation de mettre sur les réseaux. Il m'a dit, mettez-moi sur Internet. Donc, les gars, n'hésitez pas à ne jamais venir là-bas. Ou quand vous venez là-bas, vous vous dites, c'est quoi il s'est passé avec Tobias, hein? Voilà. Mais attends, moi j'ai juste un truc à dire par rapport à FRH. Franchement, FRH c'est le groupe qui organise tout. Ouais, ils nous ont tout organisé. Je pense que l'année prochaine on va revenir. Hein. Tellement c'est bien, vraiment. Ouais, j'aimerais trop, ouais. On essaye vraiment au maximum de vous retranscrire ce qu'on ressent parce que c'est incroyable ce qui se passe. Le chalet, l'appartement, les activités qu'on fait et juste c'est réel. Ce qu'on voit, la vue. Tiens, tourne, Théma. On est
à Paris toute l'année. On bosse et là on voit ça, c'est lourd de ouf. C'est magnifique, frère. Donc franchement, n'hésitez pas à lui donner de la force. On va mettre du contenu exclusif là-bas, des vidéos, tout ce que vous voyez pas ici. Les backstage. Et ben on va les voir là-bas. Ça se trouve que même ce que je dis là, on va le voir là-bas et pas dans la vidéo. Tu captes ou pas? C'est ça le topo. C'est réel, frère, c'est réel. Les gars, il a tout dit, Omar. Il a tout dit. Donc bon, c'est dommage. Bon, on va faire une petite boule de. Après, eh, franchement. Y a des fils de. Ouais, partout, ouais, des fils de. Partout, hein, partout. C'est comme partout en vrai. C'est à Paris, il y a des gens comme ça. Voilà, il y a des. T'es fou, bien sûr. En fait, Mehdi nous expliquait qu'à l'époque, pendant très longtemps, c'était très communautaire, mais dans le sens très. Bah, ils n'avaient jamais vu de Renois, de Rebeu ici. Donc en fait, même pour eux, actuellement, c'est encore rare, tu vois. Ouais. Attends, oh là hey, là, 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 oh là là, hey, c'était trop bien. Ouais, vraiment, c'était hala. Et tu sais, on a failli. Mourir. Cartonné. Ouais. On m'a dit ça. C'était incroyable. On a failli mourir. C'était hala. Non, je rigole. Voilà, c'était des racistes, ma gueule. Ils nous ont parlé comme des chiens. Les gars, on a retrouvé les Chocopops. Coco. Je suis choquée de ce qui vous est arrivé. Elle était très fatiguée parce qu'on venait de tourner sa vidéo cache-cache. En fait, vu que j'ai tourné deux vidéos aujourd'hui, et qu'en plus de ça, hier, on est allé. Oh là là. Hier, on est allé au ski et genre j'ai eu super méga mal à la gorge. Là, genre je vous parle, j'ai trop mal à la gorge. Je me suis dit, bah tant pis. Tu te reposes tranquille. Je me repose et tout. Heureusement, après, je suis pas venue parce que j'aurais eu trop le seum en vrai d'être venue pour rien. Ouais, non, mais. Là, je faisais des photos en plus. Bah, je vais continuer. Arsène, tu veux faire des photos? Parce que là, je me suis remis en outfit et tout. Voilà. Parfait. J'ai fait des petites photos, je te montre pas. Vous verrez sur Instagram. Les amis, les Coco Pops. Là, il y a. Comment ça s'appelle? Il y a tout le monde qui sont. Enfin, tout le monde. Omar, Arzano, etc. Ils sont en train de faire. Un shooting pour le chalet, donc ils sont devant. Je vais aller vous vlogger ça. C'est parti, j'en filme mes goodness. En gros, ils vont mettre les voitures dans la rue. Et voilà. Enfin, c'est tout ce que j'ai su que j'ai comme information. C'est un pléonasme. C'est un pléonasme, les gars, c'est un pléonasme en fait. Attendez, j'ai reçu un message, peut-être c'est important. Ok, non, ça va. Ça peut attendre. Bah. J'ai capté. En fait, regardez, ça se fait un shooting de tout le chalet. Attends, elle montre la troisième voiture. La mienne ? Ah, on aurait pu la mettre la tienne aussi. Non, tranquille. Non, mais vu que là, c'est trois Mercedes, une blanche, deux noires. Oula. Ouais, comme ça fait équitable. Non, mais il parle de touches de piano. Là. Ouais. Pas mal. Bon rattrapage, bon sauvetage. Donc, hey, les gars, regardez ça comment. On teste le jacuzzi, hein. Magnifique, chouchou. C'est quoi le programme de soir? Dis-moi tout. De quoi? Mais non. Mais avec les lumières, il est magnifique. C'est quoi le programme, Omar? Tu peux nous dire à la caméra? On va faire un shooting photo. Ok. Des voitures. Ok. Pour la promo du chalet. Ouais. Pour je suis pas streamer. Non, mais ensuite. Ensuite, je pense. On va manger. Mais avec un drone, c'est fou, frère. Ce soir, on teste tout ce qu'il y a dans la maison. Il va décoller le drone? Ah, oh, ce soir, on reste qu'au chalet. On reste qu'au chalet ce soir. C'est fou le contenu dans le chalet. Bah, ça se trouve, le poteau, il va nous répondre pour aller faire de la moto le soir. Vas-y, on s'attend à rien, comme ça, on est tranquille. Ouais. Ah, je suis chaud, vas-y, j'arrive. On va donner un petit coup de main, les gars. C'est parti. Non, on remet la bâche après. Attends, comment je t'ai dit, moi? Oh, il est chaud? La lune à mer, touche l'eau. Il est allumé? C'est bouillant? Ouais. Ah, ouais, non, il est vraiment chaud. Ah, ce matin, comment on l'a nettoyé? Il y avait la poche, t'es là, bras. Ah, ça coule, ça coule. C'est pas grave. Regarde, c'est ça? Voilà. Ah, ouais, mais moi, il y a de la buée carrément sur la caméra. Attends. Ouais. Ça va au coin. C'est bon, on la reposera. Putain, je suis con, les gars, j'ai versé de l'eau sur moi. Ah non, c'est vraiment magnifique. T'imagines, t'es tranquille dans ton chalet, tu baignes dans le jacuzzi, t'as une vue de malade. Ah non, c'est fou. Là, il est le petit. C'est un GLE, je crois, non? Ah oui, c'est un GLE? GLA. GLA. GLA 45MJ. Vraiment? Ouais. Non, c'est pas. Ta voiture, tu la sens? Hein? Ta voiture, tu... Non. Ah ouais? Anissa? Auréa, tu le fais là? Vas-y. Ouais. Voilà. Tu le mets à côté, Omar? Tu le mets à côté? Vas-y, viens, je te guide.
Zid, regarde, Zid. Zid. Mais non, pas un clip. Là, y'a rien, là, tu peux. Là, tu peux, Zid. Tu peux, Zid. Stop. Mais c'est parfait, là. Oh non, Omar, encore mieux. Tu le laisses un peu incliné comme ça. Et le van incliné aussi. Oh là là. En mode, là, incliné comme ça. Celle-là, elle est droite. Celle-là, tu l'inclines un peu. Comme ça, là, tac. Ouais, avec le chalet. Oh là là. Ça fait des vraies photos. Frère, c'est incroyable. Là, c'est magnifique, là. Non. Même pas, tu laisses comme ça. Que des mercos, magnifiques. Mehdi, toujours. Ourti Vitamine avec son petit voile. On a commencé à respecter le statut de... Tu me hachèmes devant tout le monde. On a Ourti... En vrai de vrai, je pense qu'il faut laisser comme ça. Hein. Ouais, ça ouais, non, parfait. Ouais. Ça fait un effet un peu. Et vous, faut allumer peut-être les trucs de la Mercedes là, ça va pas. Ouais, tu mets les veilleuses. Et après, on poste le concours. Hein? Après, on poste le concours. Ouais. Mais carrément, ça peut être une photo pour le concours. Ouais. T'es mal, j'ai mis une petite story, sacré convoi. Eh, Arzavion, fais les photos avant les TikTok parce que sinon, la nuit elle se couche. La nuit elle se couche? Moi, je te couche. Bah ouais, la nuit elle se couche. N'importe quoi, sa nuit elle tombe. Tu sais que t'as vraiment une marque maintenant, ça fait stylé. Ouais. Mais achète toi, tu t'es vraiment remercié carrément. Je te jure, ça fait stylé. Mais t'as regardé un peu, non? Hein? T'as regardé un peu sur toi? Ouais, j'ai vu. Eh, moi, j'ai regardé l'espace. Là, en plus, quand t'as serré ta gorge. Tiens, mon frère. On dirait que tu t'es pris un coup de pinel. Tu crois avec ça? Je le mets où? Tu crois on va. Mais attends deux secondes. Mais attends deux secondes. Tu crois on va éclairer le chalet avec ça? Ouais. Non, il faut encore reculer. Ouais, mais là, est-ce que vous foutez les flags? Oh là là! Ils s'en bat les couilles, ah, ouais, ils ont qu'à faire des doublettes. Comment c'est clair? Oui, est-ce que je me suis dit, on sait jamais. Ouais, c'est bon. Eh, c'est méchant! Eh, c'est incroyable! Tu connais celui-là, ça va être plus. Oh là là! Moi je dis avec les cailloux, Arza. Ouais. Non, tu connais, faut un petit angle. Ashanta Ravin, Dala Senta Lavina, no. C'est ça, non? Yeah, bro, c'est des commence pas à m'insulter, s'il te plaît. Mais non, mais... Arza, t'es chaud pour... Tu me fais un poste, Arza? On trouvera un autre. T'inquiète. T'as vu, je me dis quoi? Au volant du SL43. Vas-y, tu veux dépêcher ta poste, moi, après. T'as assez de photos? Bah, je me dis, tu vois. Genre, plus vite. Je me dis, là, je monte dans la voiture. Ça fait vraiment en mode, les voitures, elles attendent les gens. T'as compris ou pas? Ça fait pas genre les voitures, elles attendent les gens. Celles sont fournies avec la loque, tu sais. Des fous, genre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on peut juste mettre un tout petit peu de courbure là, pour que ça fasse encore plus stylé. Ouais, je sais. Et après, on met des hélicos. Mais t'es qu'il te passe sérieux? Rajoute un hélico, ouais. Mais tu peux l'incruster, voilà. Voilà. Frère, je mets un ovni si je veux. Ouais? Ouais. On va faire ça, ouais. De toute façon, mais tu peux trouver un ovni pour quelqu'un qui va se. On peut, faut juste que je demande. Attends, viens, fais juste Mehdi en balle. Vous voulez que je vous éclaire? Ouais, mets-toi vraiment devant le gamos. Ouais, c'est vrai ça. Ah, regarde. On va faire la même, mais avec toi devant. Attends, je me dis. Ah, c'est chelou un peu. Ça fait bizarre. Même pour un souvenir, c'est parfait. Carré. Avec Omar. Eh, j'aurais dit plus proche en portrait limite. Bougez pas. En gros, il met du flou là où il faut et pas du flou là où il faut pas. Et là, je prends celui-là. Ouais, merci. Tu vas mettre de dessus. Là, c'est exceptionnel là. C'est maintenant qu'il faut prendre des photos de nuit. Ouais. Pas plus tard. Ouais, il fait encore jour, il y a les lumières qui ressortent bien. Attends, bouge pas, on va reculer pour avoir un peu de plat. Comment je fais un making-of là? Ok, j'ai capté. Et après, là, encore plus cheat code. Pour qu'on voit le chalet. Oh là là, celle-là, elle est très méchante, celle-là. Et encore plus cheat code. Là, j'ai tout. Celle-là, elle est vraiment méchante, celle-là. Viens, remarquez-moi la photo. C'est bon. C'est carré, même. C'est bon, c'est incroyable. Vas-y, incroyable. Avec des petites retouches couleurs. Ouais, ça pète sa mère. T'es fou, ça pète sa mère. Ah, énervé. Ah ouais, tu connais, hein. Ah, c'est violent. Ah, faudra pas oublier de me les envoyer, hein. Bah non, t'es fou. J'ai pas oublié.
Ya Rabbi, regarde comment tu cadres. Quoi? Une dinguerie. Cadre comme as. Genre, faut que ça soit bien comme ça. D'accord. Il faut que tu recules parce qu'il faut qu'on voit bien de loin. Viens ici. Voilà, vas-y. T'es prêt? T'es ouais. Trop mignon. Non, pardon. Et après, je monte comme ça. Non, faut que ça soit bien propre, regarde. En gros, quand tu trucs, tu fais ça. Genre que la caméra. Ah, il y aura quelqu'un pour qu'il est passé. Ah, ouais. Non, il nous a fait une feinte. Ok. T'as capté? Oui, il y a un making of, il y a un réal. T'es prêt? Ouais. Carrément, encore, j'ai failli tout bouger. Mal. Maltas. Assalamu alaikum, Aventi. Voilà. Respire dans le micro. Mais allez, Arzana. En vrai de vrai, moi je pense que la photo du jeu concours elle est là. Hein. Mais oui. Non. On appelle mettre... tout le monde. Vite fait. Ouais. Non. Et quand ça appelle tout le monde. Quoi que je concours, il n'y a pas Michou, il n'y a pas Assaïd. Ouais. C'est mieux celle d'entrée, la vérité qui ouais. Est là. Bah voyons, Mehdi, c'est quoi ça? C'est quoi ça aussi? Ah ouais, j'avais pas réussi à les enlever, c'est les caches, c'est écrit AMG, tu sais. Ouais, c'est pour cacher les plaques, ça. C'est bizarrement là où ça flash, hein. Ça, c'est quoi, tu veux rouler? Oh, magnifique. J'ai changé 4 fois d'outfit. Là, tu pourras faire des photos de fou, là. Mother et Totter. Le sac qui ressort avec le haut. Ouais, ça fait très ricain. Très ricain. Que des numéros 1 dans ma team. Je comprends pas pourquoi t'as un putain de sac numéro 2. Non, c'est pas. Ah oui, j'ai la ref. C'est Renaud, ça. Non, Renaud et Damso. Oh lolololo, il est où dans la maison. Aïe aïe aïe. La Laza qui arrive. T'es vrai, il arrive, il va décoller la fusée. Ma chouchou. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es tout ripine, frérot. Qu'est-ce qu'il dit? T'inquiète, un jour. Amine, ça va arriver. Non, t'inquiète pas, c'est déjà en cours. Oh là. Exclu. Il prépare son clair. Exactement, son quoi? C'est quoi cet outfit? Oh, t'es mal. Oh, t'as pété sa pu, ou la chatte. Mais tu sais que c'est la veste à KLG. J'ai trouvé des galons dans la poche. KNG. C'est quoi KNG? Les gars, je suis de retour finalement. Mouah. Pas besoin de. Vas-y, moi aussi. Mouah. Voilà. On doit vraiment être. Ouais. Y'a vraiment pas de jaloux. Alors. T'as fait des TikTok à l'intérieur? J'ai fait 40 000 TikTok. Et vous allez voir mon TikTok. Voilà. Photo Instagram, le chalet. Vous le voyez sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes. Ah ouais. Ça, oh, sous toutes ces formes. Ouais, je l'ai choqué. Attends, est-ce que t'as la ref? Mia. Ah bah c'est dans le vlog. Wesh, elle a failli mourir. Attends, c'est... Mia. Il était cassé, Mia. La voix cassée, au carnaval. Je suis dans... Vas-y. Appelle-moi. Tiens, je suis... Laissez-vous, faites le GF, t'as vu, moi je suis. Eh, mais faut qu'il mette la musique au ralenti, sinon ça marche pas. Appelle-moi, qui je suis quoi? C'est quoi déjà? Un truc. C'est quand même trop drôle là. T'aurais pas un garrot? Eh non, mais vas-y, un petit truc, un petit pic. T'as pas un garrot? T'as pas un 10. Ah, un garrot. Tu connais les termes, toi? Non, mais c'est Omar qui m'a pris. Non, mais dis le terme. Je prends la grande perche. Je peux prendre, s'il te plaît, mon caca. Mon quoi, t'allais dire? Mon gros caca. Allez, viens là, câlin. Vas-y, câlin. Tiens, galmon. Ça fait au moins 15 minutes qu'elle me dit on fait des photos dans le van. T'as vu, je commence à me déplacer, tout le monde se déplace. Mais il faut, ah, mais il faut le. Elle est en train de parler. Non, mais je prends le téléphone. Elle me demande de bien. Regarde, Sky comme Bob, Sky comme Bob. On dirait pas un moustique. Elle a le skin de Optimus Prime avec les. Allez, bâtard. Avec la tête de. Elle a le skin gratuit dans le passe de combat là. Vas-y. T'as le premier skin dans le passe de combat, mon frère, sur Fortnite. C'est son une. Mais moi, au moins, je fais un skin Fortnite. Mais toi, t'es quoi? Est-ce que, au moins, toi, tu. Arrête, tu. Allez, on se casse. Tu vas faire quoi là? On vous suit? Je suis une backstage. Ouais, tu peux un peu. Arzano, il bosse aujourd'hui. Genre, moi, parce que de base, il file un mauvais coton. C'est dingue de dire ça. C'est Saïd, tu disais ça. Attends. T'as la ref, hein. Eh, mets-toi avant que ça te coupe en deux. Parce que moi, j'ai pas trop confiance. Oh, la lumière jaune, elle peut faire un style. Voilà. De toute façon, on verra pas les sièges. Pendant que Choco fait son poste que vous pouvez retrouver sur Instagram, allons voir directement les autres. Mademoiselle Lou qui fait ses petites photos directement. Tu fais un vlog?
Ah non. J'avais pas cramé. Moi, c'est Lou, le gars qui fait ses petites photos et qui écrit des textes et qui prépare un album. Nous retrouvons directement Anissa et Omar qui font des photos pour Instagram. Omar qui se campe pour faire des photos. Bah, parce que sinon on voit mes pieds. Que vous allez trouver sur le compte de Anissa sur Instagram. Pendant que Nadir est parti. Nadir est parti chercher le drone. Les gars, j'aimerais dire j'adore. Mais j'adore que Dieu. Regardez. En fait, on dirait presque un dîner presque parfait. Mais il est parfait le dîner, donc c'est pas un presque parfait, c'est un parfait dîner. Regardez. Jasmine, la femme de Mehdi, elle nous a préparé ça. Oh là 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 là. On va manger la bonne viande. Évidemment, c'est halal, les gars. Hein, pour ceux qui. D'ailleurs, n'hésitez pas N'hésitez pas, les gars, à participer au concours pour gagner un week-end ici. On a fait ça sur Instagram. Là, ça sort maintenant. Donc là, nous, on est dimanche. Il est 20h42. Ça sort pour 21h. Moi, c'est bon, j'active là. Tout de suite, là, je viens de recevoir. Les gars, on va manger ce soir, c'est parti. Les gars, là on a fini de manger. Tout le monde a bien mangé. Et là. Les gars, pour vous expliquer, on va tourner la roue pour savoir qui va faire la vaisselle de tout ce bordel. J'espère que c'est pas moi ça. Frère, je suis fatigué là. Je suis fatigué, on a beaucoup travaillé là. Je suis KO. C'est beaucoup amusé. Bon, il y a une case Babacam. C'est moi. Ok. Si ça tombe sur moi, il y en a qu'un. Non, je savais que t'allais faire ça. Et il y a une case Mehdi, parce que c'était pour un autre jeu, elle compte pas. Et Lou, si ça tombe sur Lou, c'est mort parce qu'elle a vraiment fait tout. Bah Kenji, prends le relais, tu connais. Voilà, si ça tombe sur Lou, c'est Kenji. Si ça tombe sur Lou, c'est Kenji. Moi je prends la place. Vous étiez pas là. Je prends la place de Lou. Ils m'entendent pas, hein. Ils font exprès. Et à la place de Mehdi, c'est Arzano. Ça y est, vous m'entendez plus? Oh yeah, oh yeah. C'était la flèche. Shkounada, ni comment pas. Amchouille à la table contre le prix de mon patrimoine. T'as de la chance, ça jouait pas, Tobias. Hein. C'est tombé sur toi, heureusement. Ouais, c'est ça joue, ça joue. Non, moi je joue pas parce qu'en fait j'ai décrampé un peu, c'est pour ça. Voilà, tout le monde joue. En fait, tu joues pas, tout le monde joue. T'as mangé. Il avait crampé. Tu joues. Claire, t'as menacé que t'as mangé. Ouais. Un, deux. Je sais pas faire la vaisselle. Mi. C'est Michou. Michou. Attends, on recommence. Un, deux, trois. Arrête, triche pas. Ah, t'as triché. T'as triché, wesh. C'est toi. Ah, c'était toi. Le corps de la mec, c'est pas moi. Le vrai, t'as triché, c'était Lou. C'était Lou. Non. Mais c'était Lou. N'importe quoi. T'es qui? Non, mais laisse, laisse. N'importe quoi. Arrête, frère! Tu peux tricher, laisse Mehdi. Mais il a triché, il a pas gagné. Bah ouais, Omar le tricheur. Moi, je triche pas. Vous connaissez la française de vœux, huissier de justice, la totale. Et moi, je suis huissier de justice. Vous savez, le tirage au sort a été fait par un huissier de justice. Je suis huissier de justice. Ok. Merci encore à Pépiquel. Choco! Ah bah, vas-y, Claire! Elle est malade parce que je ferai à sa place. Non, tranquille. Attendez les gars, et... Non mais c'était pour la blague, hein. Non, c'est que là. C'est que là. Ah. Oh, moi je suis fatigué, je vais aller là-haut. Non mais tu vas nettoyer, je me suis rigolé. Ok. KMG. Non. C'est Tobias et KMG. Incroyable. Ah bah merci beaucoup Tobias, en vrai t'es sérieux? Vraiment tu vas me faire ça? Non. Choupi. Pour la vidéo je cut après. Bon bâtard. Bon vas-y, ok, c'est pas grave. Bah, allez, c'est parti. Non, en tout cas je vais nettoyer. La petite, ouais, va nettoyer. Oh. Ne regarde pas comme ça. Ne regarde pas comme ça. Ah, elle va dire, elle va te tuer. Elle est au bout. Wesh. Elle est vive. Allez, zo. Si madame veut bien que... Oui, si madame le veut. Ouais, je vais pas. Non mais... Hé, il est pas gentleman. C'est vraiment un gentleman. Voilà, t'as pas obligé. Si madame peut bien me laisser permettre. Bien sûr, I permit you. Of course, in the beginning. Oh, t'es jolie quand tu nettoies. Oh, wow, Léa, je t'ai jamais vu aussi charmant. Oh là là. Vraiment, j'ai le temps. Ah, j'ai le temps, plus. C'est un gentleman, non? C'est un gentleman, non? J'ai pas dit oui. Parce que là, vous savez, j'entends plus rien là. Là, quand je dis, je suis mal.
C'est gentil, Tobias. Franchement, t'es très gentil. Il faut que tu me fasses un. Eh, mais faut que tu m'apprennes à mentir, Mélanie. J'ai trop forcé son jeu. Apprends-moi à mentir, Mélanie. On, ce soir, entre soirée fille, tu m'apprends à mentir, tu m'apprends à comment manipuler un homme. C'est super l'image. Comment manipuler un homme? Voilà, c'est une agrée de dire ça. T'as eu du ping de fou, voilà. Mais grave. Elle a dit oui, ok, je t'apprends tout. Mais non, mais t'as vu, je peux te donner des. Comment genre. Arrête, tais-toi.